aujourd'hui un nouveau merchandising. On y va tout de suite. Il y a des trucs super. Comme d'habitude, hein, je présente que ce que j'aime ou qu'est-ce qui m'a vraiment marqué cette semaine. Les petites crevettes, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans 30 secondes. Secondes pour me remaquiller, pour être jolie, hein, parce que la dernière vidéo que vous avez vue de moi, bien sûr, avec mon entraînement, je suis un petit peu, ouais, je sais, bon, mais bon, on y va, hein. Ma voiture, je me permets, moi, je suis la seule à pouvoir me garer dans le village. D'abord, je vous emmène dans la boutique du village qui s'appelle Disney Fashion. Je pense que je vous l'ai déjà montré assez de fois. On va aller voir des nœuds, on va aller voir des super-héros, on va aller voir des jupes, on va voir ça tout de suite. Alors c'est pas ouvert, hein, parce que ça ouvre à 9h. Alors on a de la chance parce que maintenant les boutiques du village ouvrent à 9h. On va vous faire le tour de la boutique. Il y a Eleven Paris qui a sorti aussi une petite... Bon attends, on vous montre ça dans 30 secondes. Alors, vous vous souvenez toujours des jeux, des nœuds ajustables que je vous montre à chaque fois que je viens. Donc moi j'ai toute la collection. D'ailleurs, vous venez de voir que j'en ai un sur moi. Donc le nouveau c'est Pua, donc de Vaiana. C'est superbe. Et donc nous avons Ratatouille. Les extra ratatouille. Attends, mais je vous mets au... Voilà. Donc on a une petite tour Eiffel ici. Voilà. Et là, vous avez le gruyère. Superbe. Et le poids aussi est très, très, très beau. Alors moi, j'ai eu beaucoup de succès. Hein. Je l'ai mis l'autre jour. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de photos avec. Beaucoup de succès. Très, très fin. Et puis la petite perle au milieu est super jolie. C'est toujours le même prix, les enfants. Hein. C'est toujours 13,99 pour le nœud. Je suis dingue de ce merchandising qui vient d'arriver pour les super-héros. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est exactement ce que je voulais qu'ils fassent. On y va. Petite jupe, super mignonne. 59,99. Elle est extra, hein, vraiment. Ça va jusqu'au XXL. Bien sûr, il y a un XS. Il n'y a pas de... Non, ça ne va pas jusqu'au XXL. Ça va jusqu'au XL, pardon. Non, non, non. Et ça, c'est la petite robe, voilà, Captain America, qui est géniale. Vraiment géniale. Petite coupe années 50. Là, on est sur du 79,99. Voilà. Après, nous avons, alors moi, j'adore, un petit bombers. Voilà, satiné, super joli, toujours avec les super-héros, Captain America, toujours. Alors là, le prix, on est sur du 79,99. Le petit t-shirt, très très sympa le petit t-shirt. Voilà, Marvel Comics, très beau, donc tout blanc. Hein, voilà. Mais ça, c'est de la paillette plate, hein, que je précise. Et alors celui-ci, il est à 35,99. C'est super joli, je vous montre sur le mannequin. C'est porté, c'est très très mignon. Vraiment, ça a vraiment de l'allure. La petite robe, elle est super jolie. Faut y penser les filles, hein. Là il y a le Dapper Day qui arrive. Hein. Voilà, format des 50, petit jupon en dessous, vous avez votre tenue. Petit sac Spider-Man, je me souviens pas de ce petit sac l'année dernière, Victor, hein. Ça c'est nouveau. 79,99, petit sac à anse. Très 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 joli avec le portefeuille. Petit portefeuille qui est à 39,99. Voilà. Donc je vous montre le petit bomber sporté, super joli, super joli, vraiment, très très beau. Alors mon fils il veut nous montrer les nouveaux modèles d'Eleven Paris. Ah ouais, super. Alors là on a Mickey qui tombe de la poche puisque la poche est inversée, très très drôle. Mickey en mode séduction avec Minnie, petit pull chiné. Le petit pull il est à 79,99. Alors Eleven Paris c'est toujours largement plus cher parce que c'est une marque, hein, bien sûr, on est bien d'accord. Alors celui-ci, c'est le nouveau Eleven Paris avec Donald qui s'appelle Have Fun à 45,99. Si je ne me trompe pas, on l'a avec Mickey. Là voilà, celui-ci avec Mickey qui est très sympa aussi, toujours même prix, le pull bicolore, enfin tricolore, pardon. Donc voilà. Enfin, ils sont très dans la coupure Eleven Paris. Hein. L'année dernière, on avait eu les trucs séparés en deux. Voilà le petit coup de cœur de Victor d'Eleven Paris, toujours 45,99. Donc c'est un Donald en colère, hein. Très chouette, tout simple.
Et celui-ci, c'est quoi? Ouh là là, alors là, il y a du travail. Alors là, il y a Donald qui sort d'une poche, il y a Dingo qui sort d'une autre poche, il y a Mickey qui peut rentrer dans cette poche-là. Bon, celui-là est à 49,99, je vous le montre de loin. Voilà. Voilà. Ah, je vois qu'il y a des soldes par là, je vous emmène. Il y a 50% sur cette collection Love, qui a été sortie en même temps que les 90 ans d'anniversaire des 90 ans de Mickey. Tout est à 50%. Par exemple, cette petite jupe qui est à 44,99 est à 22 euros. Vous avez ce petit pull qui, pour moi, est absolument à croquer. Tellement mignon. Voilà, ils se font un câlin. Là, vous avez les petits carnets. 7 euros le petit carnet. Là, vous avez la petite brassière. Tout. Elle est très très jolie cette collection. Je ne sais pas si elle a marché réellement. Je pense que pour qu'elle soit soldée comme ça, c'est que non, manifestement. Et on vous montrera tout à l'heure, normalement, il y a aussi la... Bah ça, par là, voilà, il est à 50%, donc ça le fait à 12 euros. C'est le petit porte-monnaie, enfin, petit portefeuille. Le pull marqué Love. Voilà, pareil, le petit pull marqué Love, il est à 44. Ça le fait à 22, ce qui est vraiment alors, ridicule. Je vous montrerai si je trouve d'autres promotions dans le parc. Ah, nouveau coup de cœur, 24,99, la petite casquette à ne pas louper. Et alors moi, j'ai vu beaucoup de gens dans le parc avec ça, je ne savais pas que c'était eux. Donc c'est Disneyland Paris qui fait ça, qui s'appelle, la gamme s'appelle Disney Star Studio Collection. J'adore le bas avec les petites rayures mélangées avec la fleur. Je trouve ça super joli, vraiment. C'est à 64,99. Il est très très beau, ce pantalon, très très beau. Alors, petite nouveauté chez Disney, moi, que j'aime beaucoup, ils le font, je vous l'avais montré à la boutique enfant, pour présenter les t-shirts, ils les mettent en tableau, ce qui est tellement plus pratique quand on ne sait pas quoi choisir. Alors le squad leader, autant vous dire que je suis grave fan. Le Need Space est très sympa aussi, d'ailleurs de temps en temps au parc, ça ne ferait pas de mal. Là ici, ah bah, oh là 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 là, donc on a du Vaiana, on a du Grumpy, ah, je suis un génie, je crois que j'ai trouvé le t-shirt qu'il faut à Victor. Et on finit sur un petit t-shirt très sympathique pour ceux qui n'habitent pas ici. Paris, je t'aime. Enfin, je trouve que la présentation est très pratique. C'est très bien pour les gens. Ils voient bien les t-shirts. Super sympa. Très bonne idée. Bonjour les gens Lego. Bon, on va commencer déjà par vous montrer une petite merveille. Bonjour. On va profiter qu'il n'y ait personne, les enfants, je vous le dis tout de suite, parce que d'habitude, c'est la folie totale. Donc, on va vous montrer la petite nouveauté Lego. Que voici, donc c'est le magnifique train et la gare Disney. Alors attendez, je vais essayer de vous filmer ça en détail. Alors il y a une exclusivité avec ce train, pour la première fois en personnage, vous avez Goofy. Alors les détails sont incroyables dedans et il y a même votre propre petit château. Voilà. Non, mais c'est le... Alors ce qui est incroyable, oui, c'est ce que me disait Victor, regardez bien. Il y a le château dedans, comme je vous ai montré tout à l'heure, et il y a la boîte Lego. En Lego. Attendez, j'essaie de vous faire un beau petit zoom. Voilà, boîte Lego. Château Lego, là je trouve qu'on va très très fort dans l'humour. Alors qu'on vous montre un peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc Mickey, alors là vous avez même votre petit train à vous, chez vous. Petit train, petit train, petit train. Les petits kétac. Non mais incroyable, incroyable, cette boîte est incroyable. C'est la représentation Lego de ce train-ci et de la gare de Californie. Merci Victor. Voilà le train. Et vous pouvez utiliser votre smartphone. Mais fantastique, fantastique. 329 euros, vous pensez toujours que quand vous achetez au village, vous avez la réduction, si vous avez la carte VIP, Lego qui est gratuite, hein, de 10%, et vous avez aussi les 10% ou les 5%, 5% je crois, avec votre passeport, ce qui fait que bon, c'est quand même pas des enfin c'est pas rien quoi. On vous montre encore. On
on a fini avec Disney Fashion. Là, on se dirige vers World of Disney, donc cette grande, grande boutique qui est à l'entrée quand on arrive du RER ou quand on arrive du parking. On va aller voir parce qu'il paraît qu'il y a des promotions. Voilà. Et il y a des badges. Alors moi, je suis une fan de badges. J'en ai toujours eu, plus que depuis. Et puis, avant, il y en avait plein. Et puis maintenant, ils ont arrêté l'idée. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'en produisent plus. Et puis là, d'un coup, boum, ils nous en ont refait toute une brochette. Donc moi, je suis très contente. On va aller voir ça tout de suite. Mais il y a tellement de choix. Alors, il y a Buzz avec les extraterrestres. Il y a Stitch. Il y a Elsa et Anna, Sister Forever. On a Pride. On a Mickey Mouse. Enfin, je vous laisse regarder parce que vous êtes quand même assez grands pour savoir quels sont les personnages représentés. Je suis ton père. Allez, on continue. Best Day Ever. Star Wars. Mickey Mouse. Je le mets parce que c'est le patron. Hein. La fée clochette pour Merry Christmas. Attendez, j'essaie de ne pas vous mettre trop la lumière des spots. On a Belle. Oh, lumière, lumière. Chouchou. Alors, Never Grow Up. Voilà, ça, je sais qu'il y en a un paquet à qui ça y va assez bien. Comme Et attention, Jessie et Woody. Alors, on a fini avec le village. On va où? On va où? On va au parc. Voilà, je vous avoue que c'est pas une période de l'année où je vais beaucoup au parc parce que, bon, même si je suis en vacances, parce que le mois d'août, il y a tellement de monde, c'est terrible. Mais je trouve que cette année, finalement, il y a beaucoup de monde. Mais avec le Jungle Jive, avec le Roi Lion, avec toutes ces nouvelles saisons qu'ils ont faites, qui sont superbes, ben, on a toujours quelque chose à faire. Même si on ne peut pas faire une attraction, on peut quand même s'amuser, danser, chanter et faire du shopping. On est bien d'accord. Alors, concernant les nœuds qui se slide, je disais, mais non, qui sont interchangeables, vous les avez dans cette boutique. Alors, je vous montre. Là, vous avez l'entrée quand vous arrivez dans le parc. Sur votre droite, la première boutique qu'il y a, qui s'appelle d'ailleurs Plaza East Boutique, elle a tout un rayon avec ses nœuds. Ça vous évite d'aller jusqu'au village si vous n'avez pas le temps et que vous êtes juste dans le parc. Il y a un gentil papa qui s'est baissé pour que je puisse vous filmer l'entrée de la boutique. Voilà, elle est très sympa cette boutique. En général, les gens ils vont surtout pour acheter des boissons. Il y a beaucoup d'oreilles et il y a les nœuds interchangeables. Ça, c'est sympa à savoir dans le parc. Voilà, ça, c'est mon endroit préféré après la ville où j'habite puisque c'est Paris. C'est même pas après, c'est autant. C'est ma deuxième maison. J'adore arriver ici, j'adore voir le City Hall, le gazebo, voilà, les petites boutiques. Je vous fais un petit tour. La gare qui va bientôt rouvrir, j'espère. Ouais, enfin, ça, faut regarder les news de mon fils, hein, bien sûr. Je vous invite à aller voir sa dernière news, elle est très sympa, sur le D23, donc D23, qui vous explique un petit peu toutes les nouveautés que Disney nous prépare dans plusieurs parcs, et surtout aussi au niveau télé, au niveau cinéma, au niveau Disney+. Voilà, je fais un peu de pub pour mon fils parce que, voilà, hein, j'aime beaucoup mon fils, tout le monde est d'accord. Attention, il y a quelque chose qui va apparaître, vous n'êtes pas préparé, vous ne saviez pas que c'était là, et là c'est énorme, et là c'est extraordinaire, qu'est-ce qui se passe? Attention. Oh, un château! Alors attention, il y a des promotions aussi sur les 90 ans de Mickey. Donc le jogging qui était à la base, chers amis. Attention, le suspense. À 39,99 et soldé 50%. Donc toujours avec le petit logo. Le sac Party Time, je vous avais présenté ce petit merchandising dans le studio. Les petites trousses, tout est à 50%. Attention, alors attention, ce t-shirt n'y est pas. Oh là là, le mug, 5 euros. Le petit carnet, 3 euros. Là, on a deux mugs, 50%. Et on a ce polo qui est à 50%, donc de 34,99 €. Vous avez le Mouse VIP Party aussi. Il y a plein de choses à voir. Hein. Faut vraiment, là, voilà, la coque, elle est à 10 €. Voilà. Secret, je vous conseille d'ailleurs voir ce qu'on a déjà fait sur la chaîne. Je crois qu'on va à la boutique Constellation. Mon fils a vu de magnifiques pulls de Noël. Je vous emmène, c'est magnifique.
Je pense que je vais faire ça chez moi. Une petite entrée très simple avec des escaliers. Alors j'ai un souci, j'adore cette robe. Vous voyez cette robe là? Cette petite robe pour enfant. Voilà, avec... voilà, attendez, je vous la montre parce qu'elle est extraordinaire. Je l'adore. Je l'adore! Attends. Voilà. Voilà. Et elle est 50... Oh la vache! Oh la vache! Oh mon Dieu! Oh là là, le kitsch! Il y a tout! Il y a tout! Il y a le pull de Noël, il y a le kitsch, il y a Tars, il y a... Combien cette merveille, chérie? Il y a un prix, ils ne les donnent pas. S'ils nous les donnent, genre, je les prends tous, hein. Ça c'est pas un problème. 50 euros. 50 euros. Oh, putain, je m'égare, hein. Ce n'est pas Noël. Allez, voilà, avec Tarsi. Hey, chouchou. Voilà. Ah bah, je suis contente qu'ils fassent des pulls de Noël. Alors bien sûr, attention, ne passe pas à côté de l'incontournable bonnet sapin que j'avais fait porter à Victor d'ailleurs l'année dernière, ou une petite version. Je vis une révolution en direct avec vous les enfants. Il y a des guirlandes lumineuses à Disney. Je répète, guirlandes lumineuses. Alors par contre, ça c'est très malin d'avoir fait du doré sur du vert. Alors guirlandes lumineuses. Victor, elles sont à combien les guirlandes lumineuses, s'il te plaît? Alors il y a une version argentée. Et nous avons une version dorée. Voilà, superbe. Combien ça coûte? Ça, c'est la première fois que je vois Disney, par contre, hein, je vous dis tout de suite. On est sur 19,99. Donc, un petit ornement sympathique. Très, très joli. Hein. Voilà. Je vous regarde un peu tout ce qu'il y a. Bon, ça, on l'avait fait déjà avec mon mari. Qui m'avait un peu chopé le merchandising. Hein, faut voir les choses comme elles sont. Oh, les petites coupes de Noël. Alors là, il y a des petits mugs. Ça, on les a déjà fait, mais c'est toujours sympa. Oh là là, la boîte à gâteaux. Oh, la boîte à gâteaux. Les shortbread. Oh, ils sont beaux, les shortbread. Attends, à combien sont les shortbread? Mon mari est un maniaque de shortbread. Attention. On est sur combien? Le prix est un véritable suspense. C'est moi qui suis con ou... Je sais pas. Ah, c'est peut-être en dessous. Non. Ça coûte ça? 24,99. Ah bah oui, rouge sur rouge, je risquais pas de trouver. Alors, 24,99 la petite boîte de shortbread. C'est pas mignonne? Alors, je m'égare. Non, plein mois d'août. Comme si j'étais pas assez forte déjà. Qu'est-ce qui se passe, Victor? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Ils ont sorti dans leur collection le peluche d'animaux. Qui c'est? C'est Patch. Patch. Et Penny. Et Penny, où? Mes enfants, dans les seins d'Almatien. Tu fais Chiquena? Oui, ils sont beaux. Comment ça, ils sont beaux? Ils sont beaux. Non, mais attends, alors ton père avec son train, toi avec les peluches, il y a un souci? Penny, à la limite, je m'en fous. Mais... Elle a quoi? Penny, à la limite, je m'en fous. Mais Patch. Ah, Penny, à la limite, je m'en fous. Très bien. Patch, combien il a? Combien, Patch, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire ton boulot correctement? C'est dans l'oreille. 26 euros. Pas tout de suite. Hein, pas tout de suite, on va continuer les... Alors là, il y a les Tsum-Tsum à 3 euros. Je suis mal. Alors, je ne collectionne pas les Tsum-Tsum, mais de temps en temps, j'en achète. Et qui je vois? Mon bébé? Un autre bébé? Oh là là! Quel génie, Victor. Mais non, mais tu me tentes, là, Victor. Tu me tentes. Qu'est-ce que tu as trouvé, Victor? Ça fait longtemps qu'elle existe cette peluche, mais je l'adore, je la trouve super belle. En plus, combien ça coûte cette-ci, mon petit chéri? Mon bébé Dumbo? Combien? 36. Bébé Dumbo. Bébé Dumbo. Alors, moi je remets un petit dodo. Je vous présente les copains qui font dodo maintenant, c'est ces nouvelles peluches là, à 29,99€. Alors là, il y a Pluto qui fait le dodo. C'est méga moelleux. Vous pouvez faire vraiment dodo dessus. Là, on a aussi... Comment s'appelle-t-elle, l'ami de Stitch? Angel, pardon. Excusez-moi, hein, je suis vraiment nulle avec les noms. Hein. Là, on a... Oh, Mickey, il est trop mignon avec son petit pyjama. Oh, le petit pyjama! Boudou, pour faire dodo, voilà. Donc, je vous montre. Hein, c'est très sympa. C'est sympa pour les enfants, mais nous, à la maison, on les a pour nous et on est tous adultes. Hein, je vous le dis tout de suite. Bien sûr. Voilà. Donc je vous finis ce petit vlog merchandising avec Mickey qui est en train de faire dodo. Chut, Mickey est en train de faire dodo.
Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort, mes petites crevettes dorées. Et puis surtout, surtout, prenez bien soin de vous, éclatez-vous cet été. Et puis on se voit bientôt pour un merch, ou pour un run, ou pour je ne sais pas quoi encore. Mais qui est dans le chemin.